confiance à la race humaine. Je passe mon temps à me rassurer, je m'en fume 5-6 cette fois par semaine. Je me contente de l'assumer, on est ce qu'on est dès la naissance. Rêvant tous d'une carrière alléchante, esquivant les salaires indécents. Pour marquer trois quarts du globe, espère une convalescence. On serait fou de prétendre savoir tout résoudre pour les autres. La misère creuse les joues des pauvres tous les jours et sans effort. J'ai vu nos rêves se briser, victimes de l'Elysée. On est tous épuisés, privés d'idées, privés sans vérifier nos vérités télévisées. Les larmes résident dans la justesse, les âmes résistent à la tristesse. Ils coupent la terre à une vitesse, y'a déjà 300 000 hémisphères, j'vois déjà 300 000 ministères, bâtards d'inhumains similaires. J'fume de l'air féliminaire, mais dans ma tête j'ai des mines, ces criminels qui baissent le monde en séminaire et sont préliminaires. Ce qui m'énerve, c'est que les traits sont vulnérables et funéraires. Ce qui révèle que l'idée à l'issue des rêves est une réalité réelle, irréelle. Et j'dirais même que si l'Éden était réel, la terre serait linéaire. On représente ce qu'ils indiffèrent et je n'ai plus l'envie de satisfaire. L'argent c'est ce qui fait tourner cette terre, donc je ne ferai pas ce qu'ils nous ont dit de faire. Non, je ne ferai pas ce qu'ils nous ont dit de faire. J'irai pas taffer pour une misère. Réveille taf et toutes les 10 heures à une cadence quasi militaire. Frère, je crois qu'on est perdu, je vois qu'on a peur des lois, mais on s'évertue à se faire du mal et l'air pur devient de plus en plus rare. On a peur des lois et on a tort de croire que l'espoir demeure en démocratie. Attends juste qu'ils nous désactivent, que nos âmes deviennent toutes inactives. Vous parlez tous de devenir des artistes, à ce qui paraît, on est tous pareils. Une chance sur deux de devenir un sale type pour qu'il archétype et de faire du marketing. Donc parler de cul et parler de billets, ouais, parler de thunes puis parler de prier. Mais si Dieu existe, il n'est pas laxiste et peut tous nous pendre par les pieds. Moi j'en ai ras le cul de l'état et j'ai la crainte d'une vie gaspillée. Pourquoi tout le monde a peur à l'idée de crever assassiné alors qu'on est tous résignés à calciner? Gamin, ça me fascinait d'imaginer les circonstances d'une fin sinistre. On sait tous que la vie est dure mais on oublie qu'elle se fragilise. Et pendant que tu hibernes, ils mentent à s'entordre le ventre. Ils tentent de vendre du rêve autant qu'on emporte le ventre. Cesse les sujets sur les juges et les insurgés nord. Vu ce bloc, pas besoin d'en juger. On crèvera tous les uns sur les autres. C'est sûr que c'est notre destin sur ces notes. Je laisserai le goût de notre festin.